Bonjour, je fais partie de l'équipe de coordination globale du réseau Epidae Tourisme depuis 2015. Je suis responsable de la communication éditoriale du site epidae-tourisme.com, des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube, et des newsletters. Quand Epidae Tourisme s'est constitué en société coopérative en 2020, nous étions 7 salariés. L'année 2020 a été très dense, mais pas seulement à cause de la crise sanitaire. L'équipe s'est agrandie avec des compétences nouvelles, mais aussi des compétences en renfort de celles qui existaient déjà. Et l'équipe a beaucoup œuvré pour mettre en place de nouvelles procédures et méthodes de travail ou adapter celles qui existaient déjà. Aujourd'hui, nous sommes 19 salariés, dont 4 alternants qui poursuivent leur formation au sein de notre entreprise. Je suis administratrice pour le Collège des salariés depuis juillet 2020 et j'ai souhaité candidater à nouveau en 2021 pour inscrire le travail du conseil d'administration dans la continuité. Le conseil d'administration reflète bien par l'ensemble de ses collèges la pluralité de l'écosystème et a un rôle également très important de validation des nouveaux sociétaires et de vote des résolutions. Donc ce poste d'administrateur pour les salariés est vraiment une chance offerte par le modèle des sociétés coopératives. Et donc je ferai le maximum pour faire entendre notre voix, la voix des équipes qui œuvrent au développement de la plateforme, à l'accompagnement des utilisateurs, mais aussi à la communication, l'administration et la digitalisation d'entreprise. Et donc, j'en profite pour remercier l'ensemble de mes collègues qui voudront bien m'accorder leur confiance.